Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a présidé sa première parade militaire depuis sa nomination à la tête de l'armée par le chef de l'État. À cette occasion, le lieutenant-général Tiwo Isongesa Christian s'est adressé aux militaires de la garnison de Kinshasa réunis au camp lieutenant-colonel Kokolo. Les missions des FARDC, la discipline, les relations entre les militaires et les civils, les droits et devoirs des militaires ainsi que la vision du commandant suprême sur notre armée ont constitué les points clés de son adresse. La paix de l'océan et l'état de défis, la mission est la FARDC, pour le bien de la paix de la défis, ne jamais trahir les Congos. Et c'est qu'il y a un point de l'océan, pour que j'ai encore un thème à la réunion, défendre l'intégrité du territoire national, ses frontières et protéger la population civile. Le chef d'état-major général a également rappelé les militaires à l'ordre en ce qui concerne leur comportement et l'utilisation abusive des réseaux sociaux. La cérémonie s'est clôturée par un défilé militaire.